Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau type de terroriste qui vient des États et concerne les centrales nucléaires. De nos jours, ils sont dangereux et nous pouvons les considérer comme des objets de menace accrue et une cible savoureuse pour les terroristes et les États terroristes. Souvent, ces États eux-mêmes possèdent de telles centrales nucléaires. Il y a 11 centrales électriques en Russie. C'est un pays qui est en guerre et qui a lui-même fait l'objet de nombreux attentats terroristes. Après avoir ouvert une telle boîte à Pandore, il va falloir maintenant augmenter le nombre de personnes pour renforcer la sécurité, renforcer les méthodes de protection des centrales nucléaires afin de prolonger leur durée de vie ou changer les méthodes de protection des centrales électriques qui existent aujourd'hui. En outre, les déchets de l'industrie nucléaire et des unités d'installation militaire qui possèdent des armes nucléaires sont devenus dangereux. En règle générale, ce sont des employés hautement qualifiés, mais peu nombreux, pour lesquels une opération militaire spéciale n'est pas nécessaire. Pour cela, seules les attaques des groupes de sabotage suffisent. Comme le montrent les événements récents, la sécurité des capacités militaires peut être illusoire. Les armes nucléaires pour la sécurité ne sont pas toujours, mais ne représentent qu'un danger pour l'État lui-même. À ce jour, les normes de l'AIEA ne suffisent pas. À cet égard, il est nécessaire d'élaborer de nouvelles normes pour la protection des armes atomiques et des installations nucléaires et de contrôler leur utilisation correcte. Cela s'applique en particulier aux armes nucléaires dont la date d'expiration a expiré ou sort cette année. Une inspection constante de ces installations est nécessaire car elles représentent une inconnue pour la compréhension pour la communauté internationale. Cela est nécessaire pour la sécurité des habitants de cette planète, y compris en Russie, où la compréhension de la véritable situation est incomplète.